Si monsieur K aime les robots et les mécas. Quelle question. Je vous rappelle qu'ici, mes 300 colocataires sont tous mécaniques. Donc forcément, oui, c'est un sujet qui m'intéresse. Et aujourd'hui, on va partir dans un jeu qui est une espèce de roguelike à base de méca que je vais découvrir avec vous. Le nom? Metal Mind. Alors, bien entendu, comme tous les roguelikes, il se trouve que le petit gars va se générer semi-procéduralement, histoire de me renouveler les expériences. Et ça, c'est moi, apparemment. Et on va voir si le pas des prix, ce sera beaucoup plus pratique. Ok. Tirer. Y a pas de tir. Ok, on va se balader alors. Moi, je me balade hein, quand on ne propose pas de tirer. Ceci dit, c'est quand même très étrange que. Mais pas d'armement. Peut-être une histoire à découvrir. Les gars. Quand vous proposez de jouer au pad et qu'il n'y a aucune des touches du pad autre que les directions qui sont mappées, vous n'avez pas un peu l'impression de vous foutre de la gueule du monde? Non, je pose la question, hein, parce que c'est pas la première fois dans toutes ces previews que je tombe sur le cas et c'est super gênant. Bon, peu importe. On va essayer au clavier. Ah, le clavier est bien entendu américain. Donc on va changer à la volée. Yippee-kay. En espérant que ça va bien se passer. Je viens de déverrouiller une transformation. Pourquoi faire? J'en sais rien. Étrangement, j'ai pas le son du jeu, c'est ça qui est un peu triste aussi. Ok, tu me proposes de déverrouiller, il n'y a pas la moindre. Pas la moindre option. On va essayer de faire sans, hein, c'est pas grave. Équipement unlocked. Ok, il me propose d'unlocker des trucs, mais j'en ai aucun accessible. Autant dire que, telle la blonde au comptoir, il ferait mieux de fermer sa gueule. Monsieur K de mauvaise humeur? Bah oui, parce que j'étais très enthousiaste au démarrage du jeu. Et là, je me rends compte que. C'est moche. Alors, j'essaye avec la souris, parce qu'apparemment, on est en mode. Un petit peu duel, c'est-à-dire on contrôle les déplacements au clavier et puis la visée se fait avec la souris. On va aller sur une arène, voir si ça se passe mieux, en espérant que le son arrivera peut-être. Mais là j'ai peut-être beaucoup trop d'espoir par rapport à la moyenne. Oh, le son! Il est arrivé un peu tard, le bougre. Alors, rotation, oui, bah rotation. Droit, c'est quoi? Je sais pas. Je baisse un peu pour qu'on entende bien le bébé pleurer dehors. C'est parti, malgré toutes les difficultés de démarrage. On est en mode, on y va. On y va quand? On y va maintenant. On va faire quoi? On va défourailler. Je sais pas ce que c'est ça. À part que ça fait psss quand je fais le bouton droit. Ça, je sais pas non plus, mais on va essayer quand même. Alors, je peux ajuster à la volée ce qui compose mon robot pour l'adapter à la situation. Ça va être la partie RPG du roguelike. Et je peux bien entendu l'améliorer, mon pépère. Mais j'ai pas assez de thunes. Il va falloir que je tourne dans ce donjon, apparemment.
Mais cette boule Pokémon ne va pas me résister longtemps. Apparemment, elle me sème le trouble. Alors c'est dommage parce que le jeu, ils ont lâché cette préversion peut-être un petit poil tôt. Et ils mériteraient vraiment d'avoir des contrôles au pad. Parce que au pad en dual stick, ce serait parfait. Là, je dois avouer quand même que. En plus, je sais pas ce que fait le bouton droit. On va. Oui, il y a un petit coup de tuto dans le manuel. Ça ira bien. Oui, des manuels, rappelez-vous, ce qu'on distribuait avec les jeux, c'était imprimé, c'était fait avec bon goût. Parfois, il y avait de l'art dedans. Bon, 2021, on se fout un peu de vous, hein. Les jeux coûtent toujours aussi cher, mais il n'y a même plus de manuel ni de boîte. C'était la petite remarque dégueulasse quasi au passage, mais elle est tellement réaliste. Ok, il faut savoir que l'équipement que j'emporte avec moi peut réduire mes déplacements. Un détail pour vous, mais ouais, ça veut dire beaucoup pour lui. Alors, weapon, switch weapon avec le R, ça c'est bien de me le signaler, ça pourrait servir. Chaque attaque fait chauffer l'arme. Et donc le bouton droit, le petit psh qu'on a vu, c'était pour justement quand mon arme s'enraye parce qu'elle a trop chauffé, pour bah, la refroidir. Alright, téléporte. On a un tab pour se téléporter. Body. Oui, on peut équiper le robot pour l'améliorer, ça on avait tout compris. Corps. Et on peut améliorer son corps, mais alors ça doit être au prix d'une lutte acharnée et d'une issue à la fin d'un donjon. Encore des améliorations de capacité. Bon. Je crois que maintenant on a tout compris, il faut juste que je me rappelle de la touche R, c'est ça? Pour changer de... d'armes au poil. Et ben maintenant je suis à peu près informé et je vais pouvoir m'en sortir. R. Ok, au poil, on va y arriver. Ah, les années 2020, la synthwave. Toute une histoire. Apparemment c'est pour se retaper ça, j'imagine. On a une mini-map toute petite à droite. Ben, fallait la voir, moi je viens juste de la découvrir. Hein. Et on va continuer d'explorer tranquillou, en espérant tomber sur des choses bien et un gameplay qui soit marrant. Je vais vérifier quand même que mon perso est équipé. Je sais pas avec quelle touche. Overview. Pourquoi je peux pas équiper ça? Gros gros gros. Alors mine de rien, ça se joue pas mal au clavier. Hein. Oui, il est parti.
Ok, un passage pour changer de niveau. On va quand même finir d'explorer par là. Non, mais je reviendrai. I will be back. Le jeu est pas mal parce qu'il met pas mal de la panique. Oui, j'ai un vocabulaire qui réduit quand je shoot, c'est clair. Il met pas mal de la panique quand il commence à y avoir du monde à l'écran. Donc c'est plutôt sympa. Ah, il reste du monde là. Juste que je retrouve ma touche pour accéder à mon équipement, mon inventaire que j'ai complètement zappé. Et eux. Salut tête de métal. Donc là, je peux acheter dans des boutiques du matos en plus. Ça plus tard. Alors faut pas se laisser leurrer par la simplicité apparente du jeu. Je pense qu'il va être pas mal celui-là. Parce que une fois que les contrôles sont vraiment au point et que tout sera mappé comme il faut sur un pad entre autres, je pense que là il va balancer du potentiel. Mais je le répète, au clavier, c'est franchement jouable hein, déjà. C'est vraiment franchement jouable. Donc reste à voir les matrices d'ennemis et de niveaux qui vont nous envoyer. Ah putain, lui il est méchant, mais vraiment. Oh, violent. En tout cas, ça va nous faire un twin stick shooter qui sera pas dégueu, je pense. Et il lui manque cette petite souplesse et je suis vraiment impatient de pouvoir l'essayer avec un pad. Ça me plairait beaucoup. Donc on est en mode, j'ai tout compris. C'est y part. Oui, j'aime pas les poubelles. Il y a un passage à gauche. Je me suis pris une douche de missile. Ça n'a pas arrangé mes affaires. Verrouillé. De mon avis,
Un petit truc qu'ils auraient peut-être dû faire, c'est mettre tous les symboles et tous les scores au même endroit. Parce que là, un en haut à droite, un en bas à gauche, c'est un poil merdique. Donc tout foutre soit en bas à gauche, tout foutre soit en haut à droite. Parce qu'on n'a pas le regard qui part en travers comme ça. Mais bon, c'est un petit détail ça. Le F, c'est quoi? Il y a F et espace que j'ai pas essayé. Oui, je reviendrai. I will be back, comme disait mon idole, Arnold. Ça, c'est des bombes qu'on peut faire péter à retardement. On tire une fois pour les déclencher et ensuite on retire dessus. Elles pètent plus tard, contrairement à celles-là qui, pouf, ont une temporisation et pètent tout de suite. Très bon à savoir, très bon à prendre. Je sais pas ce que c'est ça. Ouais. Alors ce Metal Mine est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Alors sur l'apparence, ça plaira pas, ça c'est une histoire de goût personnel. Mais croyez-moi, sur le gameplay, c'est intéressant. Le jeu a une belle maniabilité déjà. Oui, j'aime pas trop les poubelles. Il veut que je retourne là-bas. Ouais, mais moi je suis très désobéissant. Vous me connaissez. Il va falloir trouver mon chemin là-dedans. Je vais peut-être tomber sur un boss à un moment, ça va être rigolo. Alors là, j'ai des épreuves, des championnats, des je ne sais pas quoi. Tout est verrouillé tant que j'aurai pas réussi cette épreuve. Faut que j'empêche les ennemis de me voler les bonus dans les caisses. Ok, on est parti, Coco. Rude, l'ami, très rude. Thank you.
On va retourner voir si on peut pas customiser tout de suite le robot. Ce serait fait. Alors le coup des tapis roulants au sol, c'est pas mal, parce que pendant un combat, ça peut semer quand même pas mal de troubles et de confusion. On va voir si on peut s'équiper. Oh, grand machin. Alors... C'est plus lourd, mais... Me voilà plus costaud. Donc à chaque fois qu'on trouvera cette espèce de centrale méca qui nous permettra de se customiser, il faudra pas hésiter à utiliser toutes ces pièces nouvelles qu'on vient de trouver. Vu qu'en plus ça me coûte pas spécialement d'argent pour les installer, ça c'est plutôt pas mal. Et on y va. Regardez-moi cette tête de warrior. Alors oui, ça joue sur les déplacements, le poids de ce qu'on trimballe. Ça peut être gênant pour certaines parties où il faudra être particulièrement vif. Mais on n'en est pas là. Oh, j'ai encore planté le jeu. Non! Alors, ce Metal Mind qu'on essaye en preview n'est pas totalement terminé, c'est clair, puisqu'il se permet de me faire des plantages assez immondes. Et c'est vraiment dommage parce que je vais encore jouer à ce jeu. Je vais vous le faire voir davantage plus loin parce qu'il a un potentiel. J'ai même plus accès au escape, vous y croyez les amis? Oui, la vieille technique de... C'est vraiment un plantage. Bon, je coupe le stream ici, je referai une petite session derrière.